vois, c'est une semaine qui est assez importante, doublement importante, aussi bien pour les supporters que pour toi. T'es natif de Marseille. Ouais. Comment tu prépares, comment vous préparez ce match? Peut-être une deuxième victoire à l'extérieur? En tout cas, on va tout faire pour, ça c'est sûr. Maintenant qu'on a gagné le premier match à l'extérieur, on va tout faire pour confirmer notre belle semaine et notre qualification en Coupe de France. Bon, après, c'est toujours particulier pour moi parce que je vais avoir toute ma famille dans les tribunes. Mais bon, après, il ne faut pas en faire une affaire d'État, c'est un match comme un autre. Et comme je l'ai dit, on va tout faire pour ramener quelque chose de là-bas. C'est aussi une fierté quand même pour les supporters valenciennois. Si on pouvait ramener quelques points de Marseille, on a fait l'année dernière un match nul. Pourquoi pas une victoire cette année? Ouais, ben, comme je l'ai dit, on va essayer de confirmer après notre belle victoire à Dijon, d'essayer de confirmer cette deuxième victoire à l'extérieur. Pourquoi pas? On va tout faire pour, en tout cas. Si on revient sur le match de l'année dernière au Stade Vélodrome, t'avais marqué. Ouais. On n'avait pas perdu. On va essayer de... Un gitan, un vrai gitan. On va essayer de réitérer. Tu vas essayer de remarquer, ouais, quoi. Pourquoi pas? Pour les supporters valenciennois et pour ta famille. Exactement. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas perdu avec le VFC. Hein. Et alors, justement pour ça, quelle va être la préparation pour ce match à Marseille et pourquoi pas peut-être une victoire? Petit, on change pas, on va dans le pays de Fouad Kadir là-bas. Quand il est là-bas, il est transformé. On appelle ça l'homme noir avec un bonnet noir. Voilà. Tu connais l'homme noir avec un bonnet noir. Et comme on dit, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Alors attends Rémi, deux secondes s'il te plaît. Vas-y, dis-moi tout. Et donc justement, cette préparation cette semaine avec... Non, ça se passe bien, comme d'habitude. Là, on est sur une bonne dynamique, on espère qu'on va continuer ainsi. Après, on sait qu'on a un match important à Marseille. Donc on sait ce que c'est, hein, jouer au Vélodrome, on sait que toujours rêve de jouer là-bas. Maintenant, nous, on va avant tout pour essayer de continuer sur notre belle série d'invisibilité. Donc on va essayer de bien se préparer comme on l'a fait la semaine dernière et d'essayer d'aller chercher au moins un petit nul. Mais bon, on ne sait jamais, hein, si on peut faire un petit coup là-bas, on va passer. Donc c'est doublement important, aussi bien pour vous les joueurs que pour les supporters. On connaît la fameuse histoire entre Valenciennes et Marseille. Ouais. L'année dernière, tu as marqué. Oui, au Vélodrome, tu as égalisé. Et justement, quand tu marques, Valenciennes ne perd pas, en tout cas. Tu te détrompes-toi. J'ai marqué cette année au Parc et puis on a perdu. C'est vrai. Ouais. J'étais sur une statistique qui disait que si je marquais, on perdait pas. Ben, en tout cas, j'ai marqué à Paris, on a perdu. Hein, mais bon, l'essentiel, il n'est pas là. Après, si je peux marquer des buts, on va pas s'en priver. Mais c'est de ramener des bons résultats, de continuer sur notre lancée. Et on va bien travailler là, tout le monde est motivé, on va bien travailler pour. Aujourd'hui c'est entraînement donc ici au Stade Vienno. Ouais. Il y a une raison particulière à ça ou pas? Non, je pense pas, c'est que le terrain est meilleur ici, puisqu'il est encore un peu gelé en dessous au centre d'entraînement, donc on veut ici pour avoir des meilleures conditions de travail, tout simplement. Bon, bonne préparation, puis à samedi. Merci.